Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Death Stranding, comme d'hab. Ah non, mince, là, faut pas aller là. Donc, que je vous fais un petit récap de tout ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas eu énormément de vidéos qui sont sorties sur ma chaîne comme à l'accoutumée. En fait, j'ai fait les 5 étoiles partout, sauf... je vous montre vite fait, 5 étoiles à la capitale relais, là où nous sommes on est à 5 étoiles aussi, vous les voyez sur la photo où il y a le personnage de que l'on présente le plus souvent à la sur l'installation, ici au fan de Ludens on est à 5 étoiles aussi, ici on est à 5 étoiles, et le musicien normalement on est à 5 étoiles aussi, et à la ferme éolienne on est à 5 étoiles aussi. Il me reste que ici, où je ne suis pas à 5 étoiles, mais à 3, ou à 2, 3 quarts d'étoiles. J'ai pris donc les commandes en fonction, donc pour aller à la ville relais portuaire, pour avoir les 5 étoiles, mais ça m'étonnerait qu'en 2 livraisons, j'ai les 5 étoiles que je recherche. Mais bon, c'est pas grave, donc je vais faire une petite vidéo vite fait, pour vous prouver que... J'ai pas fini de faire des vidéos dans un premier temps, que j'ai pas arrêté ou quoi, donc bon. Sinon aujourd'hui là, je sais pas s'il y a une vidéo qui sort. Donc pour le moment je compte vraiment me concentrer sur l'histoire du jeu avec vous en vidéo, et s'il y a vraiment des choses... Voilà, là c'est normal, on passe à travers le territoire des mules. Voilà. Allez, on va continuer, on va passer sur le côté pour éviter les échouer maintenant. Oula. Voilà, bon là ici on va rouler tranquille. On va rouler tranquille parce que c'est un peu penché. J'ai pas envie de tout perdre, de partir sur un échoué, que ça crée le gros bordel là. Donc bon, voilà, je suis actuellement en train d'arrêter de fumer, voilà, donc bon, si je suis un peu speed, c'est un peu normal, c'est parce que, j'ai besoin de, comment dire, de m'exprimer, d'aller plus vite, voilà, j'ai pas trop le choix. voilà, c'est déjà fini, tu vois, ça va très vite. Hop. Voilà, hop, sans faire, sans casser le matériel sur le dos, c'est encore mieux. Oula. Dès qu'on a passé la précipitation, donc la pluie, je passerai un petit coup de spray collmatant sur les marchandises pour pas qu'elles soient trop bousillées. Mais bon, d'abord on va avancer. Et on va aller au point relais portuaire, la destination finale de cette région du coup. Donc ouais, autant vous dire que j'ai pas chômé là pendant 2 jours. J'ai vraiment envoyé du lourd avec l'annexe là, j'ai eu les 5 étoiles partout, je suis content. Je dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est vrai que j'ai enchaîné, hein, c'était assez tendu du string. Et hier j'ai envoyé une vidéo qui n'était pas du tout prévue, donc. Elle n'était pas du tout prévue pour plusieurs... Ah non, c'est pas ici. Pour plusieurs raisons, parce que c'était de l'annexe, que je pensais que j'allais vite le faire, mais je suis tombé sur cette mission qui était assez complexe. Et je me suis dit, pendant que je la faisais, je me disais, mais vaut mieux la fumer parce qu'il y a vraiment des échoués partout, c'est assez assez abusé, comme on dit dans le jargon. Hop, là on va accélérer un peu si nous devons maintenir encore. Donc à partir d'ici, il pleut.
À partir d'ici, il pleut. Je vais essayer de mettre la moto. La moto, je vais pas la mettre sous la pluie. Hein. Je vais éviter de la bousiller inutilement ou trop rapidement. Parce qu'à partir du moment où tu laisses la moto ou un véhicule à l'extérieur, loin de toi, ah bah apparemment, il se bousille. Hein, donc, Non mais la pluie là c'est bon. C'est bon là? Ok. J'ai encore la pêche. Bon allez. Alors ce que j'ai fait donc c'est que j'ai accepté deux commandes hein, comme je vous disais tout à l'heure pour aller là-bas. Bon ça fait du bien quand la moto elle s'arrête parce que ça faisait vraiment un gros beaucoup de bruit là dans le casque. On a gagné beaucoup de temps en faisant tout ce trajet en moto, c'est bien. Voilà, ça c'est nickel. Et on y va sans plus attendre. Donc du coup je vous remontre où on va. Hein. On va à la destination finale de la région qui est ici, la ville relais portuaire. En espérant bien sûr obtenir les deux dernières étoiles qui me manquent ou les trois dernières, je sais plus. On va voir, j'espère. Hein. Au pire, je referai une vidéo peut-être pour avoir les 5 étoiles avec vous. Ou alors je le fais dans mon coin, je sais pas. Mais voilà le but recherché. On y va sans plus attendre, sinon demain matin on y est encore. Et c'est pour ça aussi que je refais une vidéo, hein, je me répète. Pour vous prouver que je n'ai pas arrêté de jouer ou que j'ai fait ou que je fais une pause, c'est vraiment pour vous montrer que j'ai vraiment bûché sur l'annexe. Oh. On va faire comme la dernière fois, on va passer à gauche. Ça me semblait être plus simple que à droite. Et apparemment le jeu n'est toujours pas aussi sympa avec nous, il nous met des échoués dans tous les sens. Alors, bon pour le moment on va avancer, hein. C'est assez loin. Alors, où est-ce qu'il y en aurait, hein? Ah ouais, non mais il est loin, hein. Oula. Enfin bref, il était pas si loin que ça. Bah alors l'avantage de la moto c'est que j'ai encore toute mon énergie, plus la jauge que j'ai rajoutée avec les boissons, les monsters. Grâce à la moto, on arrive, bah on peut faire plusieurs beaucoup de choses en fait, hein, mais bon, faut quand même faire attention à un moment donné. Sam c'est pas un super héros. Alors si je me rappelle bien, j'étais passé sur le côté là. Là-haut on a des marchandises détruites de tout le monde. Voilà, pas vraiment. Au début, quand tu arrives dans cette zone, tu te dis ouais, c'est un peu, ça a l'air compliqué et tout. Mais en fait, non, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Ah ben, il y avait le chemin que j'avais fait allez, quand je suis passé par ici. Voilà. Bon, je sais pas s'il va en avoir, d'autres. Je crois qu'il y en aura, d'autres là d'échouer. Donc lui il est là. Ok. Ok, ça monte là-bas. Normalement l'Odradek il est censé nous montrer l'échoué le plus proche. Normalement. Oula, alors il y en a un qui a mis un pont ici. Comment il a fait ça là?
Ah, il nous a peut-être senti, hein, je sais pas, parce qu'on est vraiment passé proche en fait là. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer par le pont. Ok. Bon, on va s'arrêter un peu, on va voir ce qui s'est passé là derrière. Est-ce qu'il a bougé ou pas, non? Bon, il n'a pas l'air d'avoir bougé, l'échoué. Ok, bon, c'est bon. Alors, le jeu me dit qu'il y en a un là. On va faire le tour. Alors, il serait où? Ouais, en fait, ils sont pas si proches que ça là. Il me prend pour un débile. Voilà. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais remettre un coup de spray colmatant. Ça me permet de voir où ils sont les autres là-bas. Ok, il y en a deux là. Voilà, le 3 roues il est déjà endommagé, hein. C'est ce qu'ils viennent de m'écrire en jaune. Alors qu'on l'a mis au sec, il n'y a pas vraiment de raison, enfin bref. On va pas non plus chipoter pour un 3 roues, surtout qu'on l'a trouvé dehors. Enfin, c'est vraiment pas compliqué, tu zigzags entre les échoués. Voilà! Bah normalement je crois que c'est fini, hein, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, bien sûr. Ah bah il y en a un qui nous met un joli petit smiley là, et il est pas content. Ce n'est pas le joueur le plus heureux de la Terre. Avec les croix à la place des yeux là, magnifique. Tu veux des piles? Ah, bon là je pense que c'est fini, donc on va accélérer le pas. Parce que bon. Mais avec ce jeu, il faut surtout de pas être pressé. Hein, parce que dès que tu commences à te précipiter, ça y est, c'est n'importe quoi, c'est le gros bordel. Il faut vraiment prendre le temps, bien examiner où ils sont, enfin bref. Par contre, le pont là-bas, enfin, je sais pas trop à quoi il sert le pont là-bas, parce qu'on ben, pouvait passer hein, même sans pont, mais bon, je sais pas, c'est bizarre. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Allez, on accélère. Oula, ouais, non, on va tenir l'équilibre. Ah là, ça va partir d'un coup. Voilà, hop là. On va se calmer. Ah, c'est moi qui avais passé ça là, d'accord. Ok. Pourquoi je sais pas, mais bon, avec la moto, ça me semble être très compliqué de passer avec la moto ici, pour arriver ici. Donc, si quelqu'un a un autre passage à part la droite là-bas, où on peut passer avec la moto, franchement, dites-moi-le dans les commentaires, je veux savoir. Parce que franchement... Faut passer avec la moto là, moi je préfère pas tenter. Vu comme c'est serré en étant à pied avec les échoués, avec la moto je me dis que bah ça passe pas quoi. Alors là. Tu veux du like? Est-ce que tu veux du like? Bon, j'espère vraiment qu'on va obtenir les 5 étoiles. Franchement, ce serait magnifique. En un coup,
Parce que bon, la ville relais portuaire, là, j'y suis pas allé. Je voulais garder ça pour la fin parce que c'est long, c'est pénible. Et en plus, j'étais à deux doigts de perdre la moto, donc je me disais que bon, il va falloir faire des pauses avec Sam un peu partout. Donc... Mais j'ai réussi à maintenir la moto en vie, et tant mieux. Hein. Je parle de la moto comme si c'était quelqu'un de vivant. C'est pas magnifique ça? Ville relais portuaire. Ah ouais, il y a quand même 51 000 habitants. D'après ce que le jeu veut nous faire croire, tu veux me faire croire que dans ça, il y a 51 000 habitants. Ok. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Ça a pas l'air énorme, donc bon. Armes détectées, toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Bon, on va remettre un petit coup de spray avant de livrer tout ça. Bienvenue dans la ville relais portuaire. Continuez jusqu'au centre de distribution. Un petit cœur. Tu veux du like? Merci, merci beaucoup. Tiens donc, comment se retrouve? Léo! Entendu. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue. Japon! Pardon, excusez-moi, je dis vague. Je m'égare. Alors, on va mettre un petit coup de spray quand même. Voilà, bon ben on est bon. Un tout petit coup de spray a suffi. Alors, livrer la marchandise demandée. Oh, partir pour le port, hein. Ben, en fait on y est. J'espère tout simplement que on va avoir les 5 étoiles. Allez, monsieur le Père Noël. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Vends-moi du rêve. Explique-moi la vie. Presque impeccable, enfin. Tant que j'aurais pas mis la main dessus. Hein? Si, dit lui. Y a pas une égratignure sur tes trucs là, tu veux quoi? Ok, ouais, donc il y avait pas 3 étoiles complètes. Il restait un tout petit quart là de la 3ème étoile. Donc je pense pas qu'on va avoir les 5 étoiles. Et non. La deuxième livraison. On a 4 étoiles. Et voilà. Donc je pense que je suis bon pour encore un aller-retour. Dommage que je peux pas me téléporter en fait. Si tu veux te reposer dans la chambre privée, aucun souci. Bah je pense pas. Je pense que je vais faire un petit retour en arrière là. Hop. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Bah ça ira, monsieur, merci. Niveau de la fatigue de Sam, on est encore bon. Regardez la jauge en bas, on n'a même pas épuisé la toute première jauge qu'on gagne en buvant la Monster. Donc bon, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous plaira ou vous a plu. Tout dépend, comme d'habitude, si vous l'avez regardée. Et moi je vous dis, restez peace, aimez-vous les uns les autres comme d'habitude. Et salut, ciao, et à la prochaine. Peut-être à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Thank you.